Monsieur Gauvin, vous vous présentez Chomy dans le quintet de mercredi à Cannes-sur-Mer. Il reste sur une bonne prestation, n'est-ce pas? Oui, absolument. Son problème, c'est que c'est un attentiste. On pourrait le temps monter plus offensif le temps en partant, mais justement, il se tend et il finit pas ses courses. Donc, on a tiré un mauvais numéro pour l'occasion. On a 15, mais ça porte pas forcément à conséquence parce qu'on va le monter derrière. Là, la dernière fois, on s'était dit que s'il s'est lancé bien, on ne l'empêchait pas de prendre une bonne place, mais il s'est lancé mollement, donc il s'est retrouvé assez loin. Bah là, on risque, à coup de tout sûr encore, d'être loin dans le parcours, mais il est capable de venir faire une course si la course est suffisamment rythmée. On a l'impression qu'il commence à se faire un petit peu ces pelotons touffus. Hein. Oui, mais on a surtout plus déterminé sur bonne distance. On a essayé sur plus long, même en attendant, et ça s'avérait un peu trop long. Donc, c'est un cheval de 2000 mètres. Il est mieux sur 2000 mètres, mais il faut attendre. Voilà. Alors, bon, avec ce numéro, bien sûr, à coup sûr, on va être vraiment dans les derniers. Et bon, comme toujours dans ces cas-là, on est tributaire des aléas de course. Pour une course rythmée, je pense qu'il est capable de revenir bien faire, mais voilà, il faut une course rythmée et tout se passe bien. Il est capable de venir prendre une place, je pense, mais c'est difficile d'espérer mieux, vu le numéro de corde et sa façon de courir. Il a été perturbé par la neige et le gel, l'entraînement? Un peu. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà, bon, il vient de courir, mais c'est aussi un souci, ouais. J'ai pu l'entretenir à peu près, mais j'ai pas pu travailler comme je voulais.